salutations à tout le monde qui a regardé et qui a attendu ça que je vous dis dans la vidéo. La vidéo ça me fait spécialement pour les gens qui ont des difficultés concernant l'aide du gouvernement Brésil là qui n'est pas capable de cadastrer à cause du CPF. Bah yo en pile problème. Moi aussi vois en pile message directement à des monde qui gen contact moi qui mande me service sur ça et on fait tout ça qui dépend moi aider. Mais comme ça tout gen en pile monde tout ta remé sorti dans situation ça tout pas un monde qui pour aider. Et pense que c'est très important qui me fait vidéo ça d'une façon qui pour aider quelques monde qui pas des possibilités qui pas une capacité pour yo résoudre problème ça parce que avec vidéo ça il y a capable plus ou moins et démarrer processus pour yo capable résoudre problème CPF pour yo capable cadastrer sur application parce que pas gain l'autre pour une possibilité pour nous cadastrer parce que yo pas d'accord à l'encacha les l'encacha yo yo sur application dans la zone côté mia c'est obligé aussi fort pour l'application dans San Paulo yo pas accepter mon yo faire ligne l'encacha ça veut dire que parce que vidéo ça la pitil en pile monde parce que ou même ca jeune partager ba on l'autre pochou qui capable en difficulté ça tout et parce que la capable en mesure pour résoudre problème CPF là parce que m'a fait vidéo à pied à pied avec en pile précaution et avec en pile calme pour mon n'a des possibilités pour voir comment pour lui capable résoudre problème CPF là et puis tout comme ça tout la capable cadastrer pour bénéficier si ça le gouvernement bail là parce que la pitil quel que soit le monde qui est en musique, qui a droit à lui-même et qui peut travailler aussi encore plus grave. Ok, on a premièrement, on peut aller dans Google sur le téléphone. Nous. Et puis tout le monde vient à pesquiser, on peut écrire Altela Dados Cadastrais na Receita Federal. On peut écrire comme ça, on peut cliquer sur lui normalement. Et tout, l'arrivée, on va chercher côté qui marqué Altela cadastre nos CPF Receita Federal. On va cliquer sur lui. Là, on va mettre le téléphone sous version ordinateur. Là, l'arrivée. On va chercher côté audio pour changer de nom. Là, avant que vous changer et donner CPF, vous allez là cadastre CPF là. Premier soin pour faire, vous allez vérifier état CPF. Si CPF ou pas un CPF comme si qui irrégulier là ou bien suspenso. Suspense ou assez les gens comme si vous connaissez des gens qui doivent acheter crédit, pas payer, qui fait plus le temps, ils ne vont pas payer, ça qui arrive, ils suspendent CPF, les CPF, dans état irrégulier ou bien suspense. La cliquer là pour vérifier d'abord. Dans le couple vente, la situation cadastrale de CPF qui est en bleu. L'arrivée là, on a écrit le numéro CPF d'abord. Finir avec le numéro CPF.
avec qui date de naissance d'abord. On finit écrit date de naissance ou a écrit ou a cliqué sur non sur au bout. Faut cliquer sur lui d'abord. L'on finit cliquer sur non sur au bout ou a cliqué sur consulta. Automatiquement cliquer sur consulta et puis tout le bout bon, toute information CPF ou et puis tout l'apparaît là ou a pu le marquer. Et tout donné après ça on peut marquer régulal là CPF ou pas gain problème s'il gain problème il t'a marqué irrégulier. Automatiquement au fin vérifier et situation CPF là s'il régulier ou bien s'il irrégulier là ou pas gain possibilité pour continuer là ou continuer exactement si CPF là li régulier c'est que ou pas ka et cadastre sur application si c'est que gain un problème nan non maman peut-être qui ka cause yon erreur le tap et cadastre CPF là le tap fait CPF là tu gonne glisser ou même on doit pas te connaître et monde qui t'a fait là tout pas assez en mesure pour te signaler ça laisse on va aller dans alti là cadastre de CPF on clique sur alti là qui écrit en bleu. Là automatiquement on clique sur alt là là il va bon possibilité pour remplir espace et ça on va regarder là côté pour cadastrer CPF là on va cadastrer toute information qui ou gain pour mettre là là on va d'abord on va écrire numéro CPF là. Ça c'est premier bail ou gen pou faire là on va aller écrire non fini écrit non on va aller écrire date de naissance. Il écrit date de naissance. C'est au prend 100 pour remplir fichier à bien bien. Et sous fond il est là c'est PDF là tout sorti avec erreur fait. La fin en plus date de naissance, là on va mettre qui sexe. On mettre sexe si c'est fouillé on prend fille féminine si c'est masculin on prend masculine. La naturalidad ya ça veut dire que ça c'est dans qui ville mon en fait là comme c'est étranger on va fait dans pays mon yo bon là on ca choisir écrit Haïti mais qui sont là en n'importe dans zone nous fait Haïti on ca mettre là dedans si vous voulez ça lui même n'est pas exigeant on met Haïtiana ay naturalidad met Haïtiana. IF là par exemple si maintenant de Brésil il t'a metté dans qui Italie si São Paulo SP si c'est Rio Grande do Sul RS ça il va important on va quitter le vide je lire il va important normalement d'abord là on mettre titulaire directeur c'est et on quatre et il fait pour les élections pour gagner accès pour voter mais ça lui même et on rien bagain mettez 0 là-dedans mettez à partir de 5 0 il va un problème avoir quand mettez dans titulo dit électeur là on mettez 0 en plus là 0 là normalement
ou supposé écrire correctement Jean lié dans résidence qui dans mon là on va utiliser à pour pas causer problème puis devant tout mettre les gens dans dans résidence et si toutefois et parce que les incorrect dans base cadastre CPF là on va corriger normal avec normalement. On va finir avec nos mamans, on va mettre les documents. Il dit qui document qui a gagné ou a servi dans ce moment-là. Comme on dit, il y a un peu de temps, il faut qu'on ait une résidence. RNIE, par exemple, ici, dans le cadre général, il y a le RG, c'est le registre national. Il dit que qui tout est étranger. Qui tous les Brésiliens depuis au moment de RGA automatiquement et c'est Brésilien lui-même la plongée par là-bas ou même étranger ou la plongée par là-bas qui c'est résidence année les résidences là qui c'est RNIE ou cliquez sur RG là vous voir cliquer dans qui est RNIE ou mettez là-dedans ou choisir une nationalité one choisir une si c'est Santa Catalina RECS Rio Grande do Sul Porto Alegre RS São Paulo SP ainsi de suite et puis tout là on mettez numéro résidence là numéro RNI là on regarde et là dedans on prend numéro avec le plus souvent nouveau on bail qu'on regarde en bas photo là nouveau on bail qu'on aussi en bas photo là on mettez nouveau on bail qu'on petit là. Si en bas photo on peut garder là on écrit ou avec écrit là normalement ça va bien afin de mettre numéro et résidence là on va demander CPIA CPIA sinon rue autorité d'abord. Dans la rue autorité d'abord, on va se faire. Automatiquement, vous mettez se faire. Vous cliquez sur fait ça. Toutes les informations, vous avez de l'autre information qui a tout monté. Par exemple, non, RIA, civil ou RIA, zone ça va tout monter là-dedans directement. Par exemple, on met un CPI qui est normal pour Kawe. On met un CPI qui est normal, automatiquement monté, on va prendre tout ça en dollars exactement. Là, il doit prendre le numéro ça partie de Kurios. Là, ça Kurios là paraît, on va cliquer sur retour. On fait back et puis tout après ça me donne de la même barrette là municipio São Paulo IFSP et non RIA c'est Mercurio et Bayo qui c'est Blaise et puis tout là on va mettre la Gladoule on va mettre 600 Avenida côté où il est arrivé on va mettre Avenida 600 rue on va mettre où aéroport tout va bien mais plus facile c'est Avenida ou bien où on va cliquer par exemple bon où pour ça là on va mettre numéro autorité numéro car là et puis tout là on va mettre complemento est-ce qu'ils sont casa ou bien son prédio ou bien son appartement. Là, c'est où pour qu'on est. Quand on était assis, sinon, on appartement, on mettait appartement, on fini. Sinon, quand on était, on mettait casa. Là, on mettait le numéro de téléphone. On prend arrière-code là, qui c'est 11. On était. Vite, on mettait le numéro de téléphone là. Sans problème. Le numéro de téléphone, non.
mais c'est sans problème. Mettez le numéro de téléphone non, et puis tout là, on peut aller sous Envia. Automatiquement, vous allez sous Envia. Un code d'avoué baou pour mettre, et puis tout l'offre une métal, mais la paraît la rougne là, vous mettez, après ça, et on dit ok, automatiquement on dit ok. Si CPF mon nan li irregular ou bien li nan état suspenso, ça li même la gen pou le faire, li pral aller sous partie côté qui marqué régulariser cadastre de CPF. A dit nan ka mon nan CPF li irregular ou bien CPF li nan ka suspense, li pou aller nan parti sa nan régulariser cadastre, sa ki écrit en bleu, la cliquer sur li sans problème. Et puis tout là la balle possibilité pour li remplir donner ça. Mais donner la remplir là, c'est toujours même processus là côté pour remplir. Et dans l'air, on a changé de données, on a alté la cadastre de CPF. C'est même gens tout là, et c'est même bagaille là, tout le monde a fait là, tout le cas où mon a tagué CPF li irrégulier ou bien suspense. La fait même processus là, la rempli ça normalement, non, date de naissance, sexe, naturalidad, ça, IF là pas important. Et titre électoral c'est 00 la mettez là, mettez plein la 0. Normalement la pécule correctement et qui document la utilisé, la mettez là, c'est la fait choix là-dedans correctement. La choisi j'aime de là RG le plus facile parce que depuis mon là au gain. Et puis tout et là la mettez qui côté IF là, à part de partir dans qui région mon na vive côté de faire document là, côté la vive là la metil et IF là la metil là dans si São Paulo la metti SP, si c'est Rio Grande do Sul et même la metti RS, si c'est Santa Catarina la metti RS d'abord. Et puis tout là la metti numéro résidence là, là la metti CEPI numéro qui identifie les autorités ya, et puis tout là la automatiquement fait mettre CEP ya la tout monter non ya normalement avec os et na ki ba yo li ya là la gen pour mettre et là et le gladoul voilà c'est dit pour choisir et qui ça la mettre là-dedans et numéro ya la numéro kay la dis la mettre là-dedans téléphone ni DDDA dépendant dans qui ville lié la mettre DDD correctement. Hein? Par exemple, si São Paulo mettez 11, comme moi, São Paulo, je choisis mettez 11. Maintenant, lui-même, dépend de côté de l'IA, si Porto Alegre, et dépend de côté de l'IA, Porto Alegre, il y a un côté qui 51, un côté qui 54, ainsi de suite. On a rempli normalement, et puis tout là, mettez le numéro de téléphone, hein? Et puis tout là, la cliquez sous Envia. Delphine clique sous Envia. Il y a ballon on il apparaît on l'autre page côté pour le remplir le chronogramme il a balé côté pour le remplir normalement ça écrit a et caractère balé on l'a rempli normalement après ça la cliquer sur OK et puis tout là pour et ta CPF là li tourner normalement pour le cas cadastre sur application là pour cas bénéficier 600 reais là mais avant tout ça qui est important les moun nan fin fait processus ça yo ça veut dire que c'est pas automatiquement fin faire ou li pour aller sous application pour le cadastre non ça veut dire que ou gagne un espace de 2 jours devant pour pièce et
pour et changement fait à modification fait à pour tourner sous pour rentrer sur système là normalement. Ça veut dire que il pas automatique qu'on fait live et tout après ça on est calé ou remplir données sur application là tout correct. Non, tu vas remplir tout de suite, il pas tout correct. Ça veut dire qu'on gagne pas jusqu'à 2 jours. Quand on fait ça dans aujourd'hui, dans demain ou tenter, ça va arriver quand temps correct. Mais au bord de l'espace de 2 à 3 jours, ça a correct. Ça veut dire que l'espace va avoir 2 à 3 jours. Ça veut dire que automatiquement, n'importe où aller sur l'application, rentrer l'information, aussi poser joindre tout bagaille correctement. D'accord? Et puis tout, là, on a l'autre bagaille qui est important toujours. C'est si toutefois que moun nan ta gen difficulté pour le remplir et CPF là pour faire changement faire bagay sou l'autre bagay sou et internet là pas capable dépendant dans qui région li ou pour côté gen 1 premier 2e 3e jusqu'à 10e dépendant dans qui état moun nan ka et faire changement ça ou bien si moun nan et besoin faire un CPF tout pas vle pendant la caille les cafel à partir d'internet là la gagne à partir si dans dans région 1 fiscale par exemple mon dans DFG ou MT MS à va dépendre dans qui état mon dans ya la ca aller sur email ça côté qui marqué atendimento@rfb.gov.br .br DA ainsi de suite dépendant de qui et état mon nan ye et troisième nan même bagaille quatrième nan c'est même bagaille ainsi de suite et puis tout chaque email par yo avec qui à partir de téléphone mon nan kan entre email ça sauf qu'il a demandé qui service l'a bien besoin si c'est régularisation l'a bien besoin l'a écrit dans message régularisation de CPF l'a envoyé dans email ça automatiquement vous envoyez un email ça il y a une réponse back qui a envoyé le bali et puis tout à partir des réponses back qui a envoyé le bali allez même pour faire suivi il faut envoyer photo et document par exemple résidence ou bien RG sont utilisés il faut faire photo envoyer bail et puis tout pour faire ça pour à partir de et à partir de internet service ça relé corporatif. Un service un email corporatif ça veut dire que son côté comme si il opéral faut faire photo avec toute pièce là dans mon pour y garder pièce là dans mon dans photo là pour voir aller correctement puis certifier que c'est mettre document même qu'a fait et changement qu'a fait modification quelqu'un besoin fait là ainsi de suite on regarde là pour monde qui dans San Paolo c'est SP San Paolo c'est atendimento rfb.08@rfb.gov.br automatiquement on va le téléphone nous si vous avez difficulté pour faire sur internet là à partir de là on va écrire un message voyez sur email ça écrit service à faire si changement et altération cadastre on va écrire alter la cadastre de CPF voyez là si c'est régulariser on va mettre régulier de cadastre de CPF voyez là dans email là on ainsi de suite si c'est émission si c'est faire ou besoin faire CPF ou bon tout monde qui peut faire CPF ou besoin faire même pour ce six là on va faire écrit message là et côté avec émission de CPF et va écrire et puis tout va voyer aller correctement ou même qui fin garder vidéo ça je pense que il est important pour partager avec un prochain qui capable gain nécessité vidéo ça. C'est toi même abonné avec channel là c'est seule façon qui vous capable aider travail qu'a fait là et aider channel là grandir tout merci à la prochaine pour une prochaine vidéo.